Nous sommes le 24 juin 1374 à Embrun et le gouverneur du Dauphiné, Charles de Bouville, est en déplacement dans cette ville avec les membres les plus éminents de son conseil. Le conseil est présent, mais il ne faudrait pas supposer qu'on a affaire à une virée de nature bureaucratique ou administrative d'affaires à régler avec l'archevêque, par exemple. Le gouverneur est à cette époque d'abord un chef de guerre, et c'est en chef de guerre qu'il est à Embrun. La conjoncture est mauvaise. Après le coup de main de 1362 de Galéas de Saluces, dont nous a parlé Benjamin tout à l'heure, le frère du marquis de Saluces, sur la vallée de la Varaïta, ce sont d'incessantes razzias de routiers, de provençaux sur toute la frontière sud du Dauphiné. Des provençaux qui s'opposent ou qui prennent argument d'une opposition à la politique conduite dans la région par le duc d'Anjou. Et comme, après un temps d'apaisement, on craint une reprise des hostilités par le marquis de Saluces en 1374, l'heure est au renforcement des fortifications delphinales de toutes parts et en particulier du côté du marquisat. C'est donc Charles de Bouville lui-même qui édicte cette ordonnance de construction d'une tour dans la bâtie de pont au-dessus de la rivière Varaïta en direction de Château Dauphin. Je cite le texte. Bien sûr, le maître des œuvres, Delphinal, est certainement à ses côtés, hein, puisqu'il a précisé les mensurations exactes du bâtiment, donc on attendait qu'on construise, mais on a guère de doute sur le fait que c'est bien le gouverneur qui a commissionné pour diriger les travaux, son cher Dilectus, hein, Martin Donadieu, curé de Pont, et que c'est bien le gouverneur qui a placé en préambule la commission sous les auspices de la sécurité et bonne garde de la patrie et de ses sujets de Briançonnais, d'où le titre de ma communication. De cette commission, ainsi que de sa mise en œuvre, nous avons une connaissance précise grâce au compte qu'en a rendu Martin Donadieu lui-même 5 ans plus tard, en 1379, lorsqu'elle a été accomplie. Benjamin Houry est l'inventeur de ce document, dont il a parfaitement étudié toute la portée archéologique dans sa thèse il y a 2 ans. Je voudrais simplement ici proposer d'y revenir pour en commenter les aspects plus proprement historiques, mais au sens, évidemment les archéologues sont des historiens, mais je vais réduire le champ d'action des historiens proprement dit au plan documentaire, comptable et sociologique. Et ce sera aussi la possibilité pour la publication des actes de cette journée de proposer sous les auspices de Benjamin l'édition et la traduction que mérite ce texte très intéressant pour notre propos. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de revenir sur des terres de jeunesse que j'affectionne, puisque c'est sur cette vallée de la Varaïta que j'avais réalisé il y a très 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 longtemps mon mémoire de maîtrise sous la direction de Pierrette Paravis, et donc de croiser mon regard avec celui des historiens du bâti des années 2010-2020. Alors évidemment, ça je le dis aussi peut-être surtout pour les étudiants, ma démarche est de portée bien moindre que celle des communicants que vous avez entendus jusque-là, qui ont fait des synthèses magistrales de travaux qui se sont déroulés sur plusieurs mois et plusieurs années même, alors que là, moi je vais simplement focaliser l'attention sur un texte. Donc vous voyez, du point de vue de la méthode, c'est pas du tout pareil, mon propos n'est pas le même, hein. Et je vais réaliser, si je devais utiliser un terme plus qui ressortit plus à la pédagogie de l'enseignante, hein, un commentaire de texte, tout simplement. Donc c'est de portée bien moindre, mais je vais focaliser l'attention en détail sur un document particulier. Alors, est-ce que mon PowerPoint veut bien fonctionner? Oui. Alors, vous avez ici simplement une photo très simple, hein, de basse qualité de ce fameux compte qui est conservé aux archives départementales, qui date donc de 1379, hein, et qui est conservé sous la cote 7B36 aux archives départementales de l'Isère. J'ai mis simplement le premier folio, mais c'est un petit cahier qui fait 10 folios manuscrits plus 2 ou 3 folios qui sont blancs.
Alors, la vallée de la Varaita, elle est devenue assez célèbre chez les historiens depuis que cette fameuse carte tableau de 1422 a été diffusée, reproduite, et qui est, il faut bien le dire, absolument extraordinaire, hein, et elle représente, tout le monde, enfin les historiens de cette période connaissent très très bien ce document, elle représente ici le fameux château dauphin, ce gros château royal, très bien nommé hein, finalement, dont on veut faire véritablement une figure symbolique du pouvoir royal en 1422, et donc ça nous a permis de bien connaître cette vallée. Cette vallée, donc, je rappelle simplement où est-ce qu'elle se situe. Hein. Vous en avez donc sur la carte générale du Dauphiné après 1355, ici, cette petite excroissance-là du côté du Piémont, qui est tout à fait minuscule hein, à l'échelle de la principauté. Et j'ai repris aussi, à tout seigneur, tout honneur, la cartographie qu'avait établie Benjamin, qui est magnifique. Hein, et donc, vous en avez ici la représentation avec l'orographie et les montagnes. Hein, c'est très important ici pour le contexte. Voilà, et plus précisément, la carte qu'a établie Benjamin de la vallée elle-même à beaucoup plus grande échelle. Alors, le château qui est représenté sur la carte tableau de 1422, on l'a dit, n'est pas le château originel des dauphins dans la vallée. À l'origine, il y a eu un premier château qui, au départ, était partiellement delphinal, hein, qui était tenu avec des pariers, des nobles pariers. Mmh. Un premier château qui s'intitulait Castrum, hein, on l'a bien dit, à Pont. Donc vous voyez bien ici où se situe Pont, Ponte Canale, et aujourd'hui, parce que c'est la réunion des deux agglomérations ici, hein, Canale étant tout au bout de la vallée. Donc le Castrum de Pont, qui est attesté au XIIIe siècle, et qui par la suite va donc se voir rétrogradé aux alentours des années 1360 au rang d'une bâtie. Voilà. Ce château Castrum, il est très bien décrit dans l'enquête de 1339 dont nous a beaucoup parlé Annie Clavier tout à l'heure. Il est nanti d'une citerne, d'une chapelle notamment. Il est de taille honorable. C'est déjà un château princier en fait, hein, au XIVe siècle, au début du XIVe siècle, manifestement. Et donc, en 1336, ce dispositif des fortifications delphinales Outremont en Varaita a changé puisqu'on l'a doublé d'un autre château en aval qui se trouve à la confluence des deux hautes Varaita à Sainte-Eusèbe sur le promontoire, et ce fut donc château dauphin, château encore plus princier si c'était possible, encore plus massif. À cette occasion, la châtellenie delphinale dite de Pont est donc devenue celle de château dauphin en 1336, donc c'est vraiment un remaniement qui est pensé, un remaniement administratif complet et qui reflète en fait localement le renforcement de la seigneurie delphinale qui évinçait ainsi progressivement hein, les petits seigneurs locaux qui étaient si nombreux au XIIIe siècle. Certains d'entre eux avaient, avec une bonne partie de la population, fait preuve d'irrédentisme caractérisé en 1329 lorsqu'ils avaient rejoint la sécession organisée par François de Bardonnèche. Donc vous voyez Bardonnèche sur la Doire, hein, plus au nord, mais toujours dans ce Dauphiné d'Outremont. Donc avec François de Bardonnèche, ils avaient coalisé comme ça tout l'Outremont delphinal et une partie du Briançonnais. Donc on a rançon de la répression finalement de cette révolte, un maillage administratif pardon, et castral qui est renforcé. Voilà. C'est la rançon de cette répression. Alors, ce redoublement de la fortification, il s'inscrit finalement dans le cadre plus large d'une construction de la frontière de la principauté, une construction des frontières de la principauté, il faut arriver à les voir avec le regard des gens du temps, une construction qui, dans un contexte montagnard, alpin bien particulier, nécessitait la mise en œuvre, je pense, d'une véritable pensée cartographique. Et la précocité du tableau de 1422 comme carte, finalement, en témoigne bien. Et ce n'est pas le seul en Dauphiné, on connaît celles aussi qui ont été dressées au nord du Grésivaudan ou en Valentinois.
Alors, la Varaïta tient une place exceptionnelle dans l'histoire de la construction de ces frontières. C'est quand même une zone tout à fait improbable. Au-delà du col Agnel qui est à 2800 mètres d'altitude, sans doute infranchissable en moyenne 8 mois par an, hein, Benjamin a rappelé les difficultés qui se posaient dès qu'il y a une attaque, si c'est en dehors de l'été, ben on ne peut pas aller sur place pour défendre la propriété delphinale. Le prince a commencé à y détenir des droits tardivement, on l'a dit, au début du XIIIe siècle, précisément au moment où son statut princier est devenu incontestable. Et je pense que s'il a tenu à aller dans cette zone improbable et à s'y enraciner, c'est parce qu'il a des visées plus loin, forcément. En tout cas, au XIIIe siècle, c'est manifeste, et encore au XIVe siècle, certainement. Il a des visées sur cette partie-là du Piémont, à l'imitation du Savoyard, qui est parvenu à bloquer toute expansion plus au nord, au débouché de la Doire, où le dauphin avait des droits depuis bien plus longtemps, depuis le XIe siècle. Et puis, il n'y a aucun doute aussi sur le fait que la Varaïta l'intéresse au XIIIe siècle et au XIVe siècle, en soi, pour ses mines de fer, notamment, qui constituent un atout très important. Ça aussi, Benjamin l'a très très bien montré. En 1336, donc, lorsqu'on renforce le système de fortification avec la construction de châteaux dauphins face au marquisat de Saluces, certes, on grignote symboliquement du terrain vers l'aval, de la vallée, mais on prend acte aussi du fait que l'expansion marque un coup d'arrêt. On construit ex nihilo une frontière territoriale qui est totalement improbable par rapport aux frontières naturelles. Et voici donc une partie du Dauphiné qui est destinée à être totalement coupée du reste de la principauté, j'insiste, hein, 8 mois par an, ça n'a rien à voir avec le Mont-Genèvre, hein, le col Agnel. Et même si dans les alpages, on se retrouve avec les Kérassins l'été, c'est bien vers la plaine du Pô que naturellement les voies de communication conduisent. Et finalement, en 1374, c'est à un parachèvement de ce dispositif que l'on assiste pour la sécurité et la garde efficace, hein, de la patrie, puisqu'on va en quelque sorte renforcer, redonner du poids à cette bâtie de pont, même si symboliquement, juridiquement, on en a abaissé le statut, eh bien, sur le plan de la construction, sur le plan concret, au contraire, on va le renforcer. Et donc, ce qu'on construit, en fait, c'est un système de double fortification. Hein. C'est vraiment un système de fortification, on va l'appeler comme ça, puisqu'il y en a deux. Voilà. D'autant que, en fait, le castrum devenu bâti de pont avait servi d'abcès de fixation, en quelque sorte, à Galéas de Saluces, qui, dans sa conquête de 1362, s'était installé là. Donc ça, c'est ce que redoutent tous les détenteurs d'un pouvoir un peu souverain, princier, à cette époque-là. Hein, c'est une invasion et quelqu'un qui s'enquiste, un envahisseur qui s'enquiste dans une fortification parce qu'elle a été mal gardée, parce qu'elle n'est pas bien entretenue, elle était mal garnie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, sans doute, le gouverneur se préoccupe de la renforcer. Alors, la question que je souhaiterais poser ici, c'est celle de cette société de la frontière. Je ne suis pas spécialiste, hein, de l'histoire du bâti, de l'histoire des bâtiments, donc c'est plus en termes sociologiques que je vais poser la question. Comment les montagnards qui vivaient là participaient-ils du projet delphinal 2 à 3 générations après la révolte à laquelle ils se sont associés de François de Bardonnèche? Au total, c'est peut-être 2000, 4000 individus, on est dans une fourchette extrêmement imprécise, hein, qui ont vécu dans ces 3 paroisses, qui sont disséminés sur plusieurs dizaines de hameaux. Pour donner un chiffre un peu plus précis, on peut donner le nombre de feux de 1339, hein, c'est 487 feux. Voilà, alors après, tout dépend du coefficient qu'on alloue au feu, mais ça donne une idée d'un ordre de grandeur, et ce nombre diminue en gros d'un tiers avec la peste et ses récurrences, donc dans la deuxième moitié du XIVe siècle. On a une société de la frontière qui est aussi une société de montagne. L'habitat permanent s'égrène donc de 1000 à 1800 mètres à peu près, hein, au pied de sommets très abrupts qui rendent les conditions de vie, extrêmement difficiles, avec bien sûr tout ce qu'on connaît, hein, des glissements de terrain et autres avalanches. Quel est le rapport de ces hommes dans cette deuxième moitié du XIVe siècle avec cette domination si particulière, si lointaine et si pressante à la fois? La question est vaste, hein, bien sûr, je ne l'aborderai ici qu'au prisme
de ce conte. Alors, d'abord, prenons les choses sur le plan très documentaire. Voilà, j'ai donc lu ce conte hein, et j'ai synthétisé la manière dont s'organisaient les différentes rubriques des dépenses. Sur les recettes, j'y reviendrai après, bien qu'elles figurent en premier dans le compte, comme toujours hein, dans les comptes de cette zone-là. Les dépenses sont bien, bien plus détaillées et on a donc une série de rubriques qui méritent que l'on s'y arrête d'abord en détail. Alors, je vais les synthétiser, mais vous avez sous les yeux les éléments que j'ai pu rassembler. Alors, j'ai fait quelques regroupements aussi hein, pour ne pas être trop descriptive. Mais on s'aperçoit à la lecture de ce document, d'abord que tout ce qui concerne la fabrication de la chaux, les fours à chaux notamment, il y a deux fours qui ont été construits, occupent une place proportionnellement dans les dépenses, hein, extrêmement importante et je ne m'attendais pas du tout à ça personnellement. Donc ça c'est déjà un point à souligner quand on regarde en pourcentage ce que ça représente, c'est absolument considérable, hein, 32% uniquement pour fabriquer la chaux. D'autre part, le poids de ce que j'ai appelé l'expertise. Alors l'expertise c'est un terme peut-être un peu anachronique en l'occurrence, mais tout ce qui concerne la direction de travaux et la direction de travaux et la recherche du meilleur endroit pour construire le four, etc. Donc finalement, vous voyez la synthèse que j'en ai effectuée ici. Alors, je navigue, excusez-moi, avec mon PowerPoint, c'est pas facile. Voilà, pratiquement la moitié des dépenses qui concernent l'expertise et la direction de travaux et seulement 50% pour les travaux eux-mêmes, et on pourrait même adjoindre hein, la commission et les écritures à ce qui concerne la direction des travaux, puisque ça ressortit à peu près à la même problématique. Donc, est-ce que ça veut dire que le travail a été particulièrement pensé en amont, particulièrement encadré? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire aussi que peut-être on peut mettre en doute la sincérité du compte? Ça, je vais y revenir, c'est un autre problème, mais ce n'est pas un petit problème. C'est-à-dire que quand même, c'est étonnant que ça ait coûté si cher, finalement, d'encadrer ces travaux. Les fours à chaux eux-mêmes, c'est vraiment un chantier dans le chantier. Alors ça, les spécialistes pourront sans doute m'éclairer sur ce point, peut-être que c'est tout à fait normal et qu'on retrouve ça ailleurs, mais c'est un chantier dans le chantier. Il y a vraiment des maçons, on va y revenir aussi, qui sont spécifiquement diligentés à la construction du four à chaux. On a l'impression que ça prend beaucoup plus de place, finalement. Enfin, ça prend plus de place, même documentairement, si je puis m'exprimer ainsi, que les travaux eux-mêmes. Voilà, donc c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Voilà, l'historienne des comptabilités que je suis ne manque pas d'être surprise par une telle ventilation des dépenses. Le résultat, en tout cas, c'est cette tour. Là encore, je reprends le travail de Benjamin, hein, qui a proposé ce schéma, qui donne une bonne idée sans doute de ce à quoi ça devait ressembler. Et donc une tour effectivement bien solide, hein. C'est pas du tout une bâtie provisoire ou un ouvrage destiné à être abandonné rapidement, au contraire, et on a vu pourquoi tout à l'heure, il y aura de l'artillerie même dedans à partir du 15e siècle, donc c'est un ouvrage qui est tout à fait bien gardé. Alors, l'importance du rôle des experts m'amène à ce cœur hein, de mon commentaire, de ce texte, et qui concerne les acteurs de cette construction, la société à l'ouvrage. Au total, on a 26 hommes qui ont participé aux travaux. Autrement dit, voilà, je pense que c'est pas énorme, hein, plus le commissaire, Martin Donadieu, sur lequel je vais revenir. Alors, sur ces 26 hommes, on peut faire une répartition des différentes catégories. On a 18 ouvriers ou maîtres que je vais qualifier de spécialisés, et j'en ai fait le détail ensuite, hein. Parmi ces gens qu'on va considérer comme spécialisés, on a 3 mineurs, donc
tout ça dans la vallée, c'est quelque chose qui est ressorti aux spécialités hein, de ces mineurs. Alors, les mines ne sont pas du côté de Pont, elles sont du côté de Belin, enfin, c'est quand même pas très loin, et on a fait appel à leur savoir-faire pour décaisser la roche et donc pouvoir bien adosser la tour à la falaise de manière sans doute plus assurée. Voilà, trois mineurs. On a quatre fourniers, je vous ai parlé de la place des... j'ai mis quatre, mais c'est cinq en fait, c'est une erreur hein, sur mon PowerPoint. Donc cinq fourniers, on a vu l'importance des fours à chaud, et donc ce sont ces gens-là qui sont des spécialistes du four, ils sont présentés comme tels, hein, c'est vraiment leur expertise, ils sont spécialistes du four à chaud, même, c'est même pas des fourniers en général, c'est des gens qui sont spécialistes du four à chaud. On a quatre maçons, dont un spécialisé dans la taille du marbre, un charpentier, un forgeron, et deux notaires qui sont venus instrumenter par la suite. Trois si on compte Martin Donadieu, mais ça j'y reviendrai. Alors, il faut noter que cette spécialisation n'est pas absolue, et certains peuvent éventuellement sortir de leur spécialité. Par exemple, Aniel Béroard, qui est charpentier, ben il a d'abord travaillé au four à chaud avant de fabriquer les escaliers et les entrées de la tour. Pierre Hélène, lui, il est fournier, mais il a participé ensuite comme simple ouvrier à la construction de la tour. Enfin, Hugues Pélissier, qui est bûcheron, est aussi le bûcheron, il a fourni le bois pour l'un des deux fours à chaud, et il est aussi forgeron, et c'est lui qui s'est occupé de toute la serrurerie de la tour. Donc vous voyez, ils peuvent avoir une certaine polyvalence quand même, mais à nouveau, j'en reviens à mon interrogation par rapport à la ventilation des dépenses, les maçons ne sont pas du tout aussi nombreux qu'on l'aurait pu le penser pour un tel ouvrage, d'autant que sur les quatre maçons, en fait, il y en a deux qui n'ont participé qu'à la construction du four, et pas du tout à celle de la tour. Donc par rapport aux chiffres que nous a donné Jean-Pierre Mann tout à l'heure à propos de Montclar, c'est quand même étonnant, où il y avait un nombre de charpentiers absolument considérable, là on n'est pas du tout dans le même cadre, et voilà, donc on peut s'interroger. Et alors contredis tout de suite une objection selon laquelle on pourrait me dire, bah, finalement il y avait peut-être des petites mains qui n'apparaissent pas, il y a quand même des gens dans ce compte qui sont rémunérés très très bas, qui se font payer un florin pour avoir apporté un peu de bois, etc. Donc la moindre tâche manifestement est quand même répertoriée et rémunéré. Alors, un autre point avant d'en venir à la question de l'insertion dans le tissu social local, la question de la dignité. C'est quand même intéressant de noter que la qualification de maître, qui est fondamentale hein, dans l'artisanat du temps, se distribue de manière assez prévisible et qu'elle signe à coup sûr l'expertise. Les fourniers sont tous des maîtres, les mineurs également, les maçons le sont sans exception aussi. Et puis certains, ceux qui sont polyvalents, ils sont qualifiés de maîtres uniquement quand ils exercent leur art. Voilà, ça c'est une remarque qui sociologiquement n'est pas inintéressante. Mais j'en viens maintenant à la question qui me préoccupe plus particulièrement, qui est celle de l'insertion de tous ces gens-là dans le tissu social local, pour autant qu'on puisse le connaître. On a parmi tous ces gens-là, sur ces 26 intervenants, 6 étrangers. 6 étrangers, dont 4 sont originaires du Val Maïra, qui se trouve juste au sud de la Varaïta, et 1 d'Asti, et le dernier, manifestement, originaire de Comminges. Alors là, on n'est pas du tout dans la même région, pour le coup, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus loin, au pied des Pyrénées. Tous les étrangers sont des maîtres artisans, ça aussi c'est assez logique. 4 des 5 fourniers, le maçon marbrier, Antoine de Draonier, Antoine de Dronero, et le maçon, chef de travaux lui-même, Jean Dapier, qui est celui qu'on dit être allé chercher très loin, en Comminges. En tout cas, on dit qu'il est originaire de ce diocèse, du diocèse de Comminges. En fait, tous ces gens-là, ces étrangers, sont les artisans les plus importants du chantier, ceux qui sont infiniment plus rémunérés que les autres, et notamment le chef de travaux, Jean Dapier. De leur côté, les deux maçons de Pont ne se sont occupés que de la construction du four, et non pas de celle de la tour.
En dehors du cas spécifique de Jean Dapier, on peut donc s'interroger malgré tout sur le degré d'extranéité de ces maîtres artisans. Le Val Maïra est voisin, accessible directement par le col de Saint-Père, donc c'est pas une étrangeté absolue, c'est pas une extranéité absolue. Mais enfin, ils sont pas originaires véritablement du cru. D'ailleurs, on voit la proximité, hein, puisque le commissaire Martin Donadieu dit qu'il s'est rendu en Val Maïra pour aller chercher ses techniciens et que cela lui a pris 3 jours seulement. Donc, c'est vraiment pas très loin. Or, en recherchant un peu plus loin, j'ai retrouvé l'origine de Martin Donadieu, le commissaire lui-même, hein, celui que Charles de Bouville a nommé pour s'occuper de ses travaux. Or, il se trouve qu'il est lui aussi originaire d'Acellio. Donc, il est également un étranger. Pour ce qui est des locaux, ils sont 18. 18, il y en a deux pour lesquels on ne sait pas d'où ils viennent. Et ce ne sont pas des gens de peu. Certains sont des maîtres, on l'a dit. Beaucoup ont des bêtes de trait, des mules, des bœufs, mineurs, maçons, les deux notaires. Ils ne donnent pas l'image d'un prolétariat qui serait au service d'une expertise tout entière venue d'ailleurs. C'est manifestement plus complexe, comme si Martin Donadieu avait d'une part favorisé ses compatriotes du Val Maïra, du Haut Val Maïra, et que d'autre part, il y avait une certaine défiance à l'encontre des gens du cru. Et d'autre part, mais ça rejoint ce que je viens de dire, il est assez difficile de les connaître en détail, ces gens du cru, au-delà des quelques indices là que j'ai signalés sur le fait qu'ils ne sont pas foncièrement pauvres, manifestement. Ils nous échappent, alors même qu'une enquête fiscale a été conduite ici, peu après, en 1382. Au départ, quand j'ai décidé de faire cette plongée dans ce document, je me suis dit, bah chouette, il y a tout ce qu'il faut dans la documentation Delphinale. On a notamment cette révision de feu de 1382. Enfin, c'est même pas une révision de feu, c'est une liste de feux. Et donc, je me suis plongée dedans au moment de travailler ma communication et j'ai été très, très déçue parce que finalement, j'en ai retrouvé qu'un seul de mes ouvriers dans cette liste. Et de là à parler de fraude, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement de fraude pour la liste, pour l'enquête fiscale, bien sûr. Les habitants de la vallée sont manifestement, dans les années 1370-1380, encore très rétifs à la souveraineté delphinale, au point que l'on n'a pas souhaité leur confier la construction d'un bâtiment aussi stratégique que celui-ci. C'est en tout cas mon hypothèse. Voilà, je vous ai mis une autre illustration de la thèse de Benjamin qui me semble intéressante pour changer un petit peu des cartes actuelles, hein, qui sont très belles, hein, bien sûr, mais une carte donc, de 1693 où vous voyez la vallée de Château-Dauphin ici avec la frontière encore à l'époque, hein, jusqu'à Utrecht, jusqu'au traité d'Utrecht, et puis ici le Val Maïra avec Acellio, ici le Haut Val Maïra, et donc le col est en aval, ici on ne le voit pas, le col de Saint-Père. Voilà, alors j'en suis pas encore tout à fait à ma conclusion, je voudrais quand même m'arrêter sur cette personnalité du commissaire Martin Donadieu, ce piémontais, c'est originaire du Val Maïra donc, et d'essayer de répondre à la question finalement, cette personnalité très curieuse, pourquoi Martin Donadieu, un étranger, en tout cas quelqu'un qui n'est pas sujet du Dauphin à l'origine, a été désigné comme responsable de cette construction aussi stratégique, alors que en 1366, à la suite du coup de main de Galéas, l'un des chefs de la garnison de la Bâtie, originaire de la région, quant à lui, avait fait d'importantes réparations et aurait donc tout à fait pu diriger ce grand chantier. Il s'appelle Goyer-Gay. Mais le gouverneur ne lui a manifestement pas fait confiance. La relation est manifestement tout autre avec Martin Donadieu. C'est quand même quelqu'un à qui on donne des responsabilités phénoménales. Les sommes qui sont en jeu ici sont extrêmement importantes. C'est vraiment l'homme de confiance du gouverneur, je l'ai dit en introduction et j'insiste. On lui a quand même permis d'aller lui-même chercher, percevoir la pension versée par les escartons du Queyras et de la Doire pour disposer d'argent frais pour conduire ses travaux. Et donc, ce sont 800 florins qui lui ont été remis en main propre
par les syndics, comme cela, sans aucune autre précaution, et 800 florins, c'est absolument colossal. Hein. Je vous rappelle que le salaire d'un châtelain moyen annuel, c'est entre 30 et 50 florins maximum. Donc 800 florins, c'est une somme absolument colossale, qu'on lui a confiée comme ça, sans autre précaution, c'est vraiment du jamais vu en Dauphiné, depuis 1349, en dehors d'un cadre très contrôlé par le trésorier. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et ceci est d'autant plus étonnant que le comte, sous ses apparences assez lisses, présente quand même des défauts qui, pour d'autres personnages que pour ce personnage-là, auraient fait tiquer les auditeurs de la chambre. Ce qui n'a pas été le cas ici, alors qu'ils ont auditionné le comte de manière assez classique. Ils n'ont pas du tout mis en doute l'honnêteté du comptable et donc sa sincérité. Si on reprend Jean Dapier, le chef de travaux dont on dit qu'il est originaire de Comminges, c'est très curieux parce qu'en fait, il y a un article où on mentionne Jean Dapier, mais qui fait tout autre chose, qui est désigné comme maître fournier originaire d'Acellio. Donc c'est peut-être un lapsus, hein. il a désigné sous le même nom deux personnages différents, en tout cas ça ne peut pas être le même, Acellio, ce n'est pas dans le diocèse de Comminges, ça il n'y a aucun doute. Est-ce que ce Jean Dapier, qui est outrageusement bien rémunéré, hein, c'est plus de 350 florins, enfin c'est extraordinaire, uniquement pour être chef de travaux, alors que lui-même, Martin Donadieu, est le commissaire et qu'il est rémunéré aussi, c'en est presque suspect. Peut-être que je suis trop suspicieuse pour le coup, mais voilà, je me pose des questions. Et ce Martin Donadieu, il est étonnant. Il est quand même curé de Pont quand il est nommé commissaire. Bon, ça serait quelque chose qui serait à creuser. Mais ce n'est pas tout. Autant les autres protagonistes locaux se laissent très difficilement saisir dans le reste de la documentation dont on dispose ici, ce qui a entraîné ma déception, autant Martin Donadieu, on en trouve trace quand même assez souvent dans les décennies qui suivent. Plus jamais comme curé d'ailleurs. Bon, mais comme notaire en revanche. En 1382, le voici qui instrumente comme simple notaire, en rappelant qu'il est originaire d'Acellio d'ailleurs ici, il instrumente la vente de ses biens par noble Philippe Ast. Un petit noble de la vallée qui est très endetté et qui se voit contraint de vendre une partie de ses biens. Et puis, en 1392, on apprend que le même Philippe Ast est mort, sans descendant, et qu'il a légué ses biens. À qui ? À Martin Donadieu, ainsi qu'à un certain Agnel Béroard, lequel Agnel Béroard n'est autre que le charpentier qui s'était occupé de tous les aménagements intérieurs de la bâtie, la seule personnalité du cru sur laquelle nous avons des renseignements en dehors du comte. On sait également que Agnel a été gardien de la tour de Pont juste après le coup de main de Galéas de Saluces et que c'est manifestement le seul qui reste de cette époque, comme si les autres, finalement, soit avaient trahi, soit en tout cas n'inspiraient du tout plus aucune confiance. En tout cas, la qualité de notaire de Martin Donadieu est absolument fondamentale. On en trouve la marque dans le comte lui-même, hein, qui manipule même, je pense, les pièces justificatives avec un talent extraordinaire. Hein. Tout est coté, répertorié, donc c'est tout à fait lisse, c'est absolument parfait. Alors, j'aimerais conclure de manière assez provisoire, puisque évidemment cette plongée dans le document mérite de s'inscrire dans une sociologie beaucoup plus large, beaucoup plus systématique de la région. Mais ici, qu'est-ce qu'on devine ? On devine une société très rétive à la soumission à la souveraineté delphinale. Trois générations après la révolte de François de Bardonnèche, et en tout cas jusqu'à la fin du siècle. La fraude massive que l'on pressent pour l'enquête fiscale de 1382 l'atteste, de même que l'absence des représentants de la vallée aux états de la principauté dans les années 1390, alors même que les structures communautaires sont fortes ici, riches du savoir, de la réflexion aussi de nombreux notaires, une société qui maîtrise l'écrit, mais qui utilise ses savoir-faire pour tromper les enquêteurs assez facilement, surtout si ceux-ci sont pressés de repartir avant que la neige arrive. Face à eux, c'est un autre notaire que le gouverneur a favorisé,
en la personne de Martin Donadieu. Il l'a trouvé dans le voisinage, hein, mais quand même pas en Dauphiné, de manière assez ostensible. Est-ce qu'il y a eu des traîtres parmi les habitants de la vallée qui auraient pactisé avec Galéas en 1362, en particulier au sein des derniers lignages nobles qui existaient ici? C'est tout à fait possible, c'est même très probable. Le fait que Martin Donadieu fasse main basse sur l'héritage d'un des derniers d'entre eux, d'un des derniers lignages nobles, est tout à fait symptomatique. Il était opportuniste et l'administration Delphinale lui a mis le pied à l'étrier. Transportons-nous maintenant deux générations plus tard, en 1422, lorsque le plan tableau a été réalisé. Et là, tout a changé. Tout a changé. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont sollicité alors l'administration pour obtenir que l'on trace enfin précisément une ligne qui les sépare de leurs voisins de Sampère, en Marquisat. De simples et banals conflits de bornage, de forêt et d'alpage s'étaient alors complètement envenimés et menaçaient de dégénérer gravement. Et ce qui m'intéresse ici, c'est les insultes qui sont rapportées lors des enquêtes très, 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 très importantes, très volumineuses, qui sont conduites en même temps qu'on établit le plan tableau. Hein. Ces enquêtes donc sont très intéressantes et on y trouve notamment rapportées les insultes qu'on échangeait de part et d'autre et qui sont significatives, hein, de ce qui se joue ici. « Votre dauphin est un couard », disent ceux de son père. « Votre marquis est un menteur », rétorquent ceux qui désormais revendiquent fièrement leur statut de dauphinois. Du dessin ferme de cette limite, qui définissait ainsi une identité, la construction de la grande tour de la bâtie de pont représente donc bien un moment crucial, mais selon un processus très complexe, dont le volet militaire est important, mais il n'est sans doute pas le seul, loin de là. Voilà, alors je termine ma conclusion hein, en insistant bien sur le fait que finalement on a là un cas quand même bien particulier, hein, cette bâtie, c'est une bâtie royale, un oxymore finalement après tout ce que vous nous avez dit, mais il me semblait que c'était intéressant d'aller voir ce que dans le détail nous apprenait ce conte et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette communication qui est effectivement très intéressante à bien des égards, y compris les à côté sociaux, politiques et économiques d'un chantier. On a l'impression de se trouver dans un certain chantier italien contemporain. C'est assez étonnant. Est-ce qu'il y a des demandes de questions? Alors moi je voudrais bien prendre la parole, mais je trouve pas l'option lever de la main. Mais prends-la, tu es. Voilà. C'est surtout pour apporter un peu de précision sur la question des fours à chaud, parce qu'en fait en 1335-1336, lors de la construction du château de Château-Dauphin, il y a trois fours à chaud qui sont construits également, et les trois fours à chaud ils coûtent 180 florins. Alors, c'est pas beaucoup comparé aux 327 des deux fours à chaud de la bâtie de pont. Moi, mon explication, c'est peut-être le coût des matériaux, justement, pour les acheminer jusqu'au site de la bâtie de pont, qui est beaucoup plus haut en altitude et sur des terrains plutôt peu praticables pour les charrois. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur la châtellenie de Château-Dauphin, c'est qu'à cause de la pression démographique, les forêts ont quasiment toutes été rasées pour laisser place aux alpages. Donc, il n'y a plus de matériaux pour la construction. Donc, on est obligé d'aller les chercher en Kéra ou d'aller les chercher dans le marquisat de Saluces, beaucoup plus bas. Donc, ça entraîne des coûts beaucoup plus importants. Mais après, bon, il y a quand même 30 ans de différence entre les deux constructions, donc peut-être que le florin a été dévalué ou je ne sais pas, mais il y a quand même un fort écart et peut-être que la distance des matériaux n'explique pas entièrement tout ça, effectivement. J'aimerais bien intervenir aussi à ce propos parce que il me semble, et je pense qu'Alain Kersuzan pourrait compléter, il y a dans la fabrication des fours à chaux des structures qui peuvent être totalement différentes les unes des autres. Autant certains sont très rudimentaires et sont peut-être d'un coût assez limité, autant d'autres fours à chaux peuvent être beaucoup plus construits, beaucoup plus sophistiqués, et c'est peut-être là aussi ce qui peut expliquer des différences de coûts, parce que on a vu dans
dans certains cas, et on le voit beaucoup dans les comptes de construction, des fours à chaux qui sont quelquefois des choses vraiment extrêmement rudimentaires. Et on se demande d'ailleurs aussi parfois quelle qualité de chaux peut sortir de ces structures. Oui, je sais pas, on m'entend là ? J'ai demandé oui. la parole. Oui, oui. Bon, c'est sûr que je me suis beaucoup intéressé il y a quelques décennies à l'action de la chaux. Là. J'ai écrit de gros articles, dont un qui est paru récemment pour la Maison de l'Orient. D'abord, ça dépend de la taille du rafour, hein, parce qu'ils appellent ça un rafour mousse. Alors, il y a deux sortes. Il y a le four à chaux traditionnel tenu par un maître rafournier qui produit la chaux pour tout le monde. Ce n'est pas suffisant pour les grosses campagnes architecturales. Donc, on construit des fours à chaux qui sont énormes parfois. Et on en construit trois fois à la suite les uns des autres. Parce que ces fours à chaux sont faits dans des trous, mais on n'utilise jamais deux fois le même trou. C'est un peu comme l'Irak, ils ne sortent jamais par le même trou. Donc, on fait trois trous comme à Pont-d'Ac consécutifs. Ils peuvent être énormes, produire jusqu'à 60 mètres cubes de chaux. Quand on sait qu'on ne récupère que 45% du volume de la pierre en chaux, ça vous donne une idée de l'énormité de la chose. Donc, en effet, c'est cher un four à chaux. C'est cher parce que d'abord, géographiquement, ça n'est jamais près du chantier. Ça n'est jamais près d'un endroit habité. On met toujours les fours à chaux près de l'eau afin de pouvoir relativement facilement éteindre cette chaux. Par ailleurs, c'est du gaz carbonique pur qui sort. Et le gaz carbonique pur n'a absolument aucune odeur. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et on voit bien que le gueulard, donc la porte par laquelle on enfourne les fagots, est toujours dans un endroit où il n'y a pas les vents dominants. Il faut aussi, donc, il y a une séparation. C'est pour ça que tu as raison, Anne, en disant qu'il y a deux chantiers. Il y a le chantier et puis le chantier de la chaux, du rafour. En plus de ça, ces rafours sont toujours construits 4, voire 6 mois, peut-être même 8, au début, à porter, avant l'ouverture du chantier. Parce qu'il faut apporter les pierres. Il faut creuser le trou, apporter les pierres et des dizaines de milliers de fagots pour brûler ça, parce qu'on ne met pas les bûches. Il faut que la température soit importante tout de suite et qu'on enfourne tout ça. Donc, un fagot brûle et on met 1 minute et demie à 2 minutes, il faut enfourner des fagots. Pour ça qu'on en a, dans les comptes, des centaines de milliers parfois. Donc tout ça, ça ne s'apporte pas en 3 jours. Il faut des mois pour ça. Hein. Faire les fagots, couper les branches, les faire dans les bois, les transporter et les amonceler à proximité du rafour. Quand on met le feu au rafour, quand enfin tout est fait, ce sont des maîtres rafourniers qui font ça. Il y a parfois des maçons, mais on fait toujours venir un maître rafournier pour savoir si le rafour a bien son dû. C'est-à-dire qu'il y a un contrat. On a besoin, par exemple, de 15 mètres cubes de chaux. Il faut, un maçon peut construire la chose, mais on doit savoir si le cuchet a bien son dû. C'est-à-dire si on aura bien la quantité dont on a prévu d'avoir dans les maçonneries. Et tout ça est négocié parce que c'est à la tâche. Un rafour est toujours fait à la tâche. Donc, gare s'il en manque, parce qu'il y a une amende, mais s'il y en a trop, ben, tant pis pour le rafournier, il en a trop fait. Et il y a quand même, à partir du moment où on met le feu au rafour, qui a toute une cérémonie, hein, le comte de Savoie, je ne sais pas le dauphin, mais le comte de Savoie paye la boisson et le repas au rafournier, pendant 9 à 12 jours, jour et nuit, consécutif, il faut entretenir ce rafour. Donc, il y a le maître rafournier, mais il a un temps d'aide. Mais comme c'est payé à la tâche, nous n'avons pas, évidemment, de ce fait, les paiements, puisque c'est à la tâche, c'est au maître rafournier de payer les manœuvres qui l'ont aidé à entretenir le feu, à éventuellement le refroidir, parce que c'est plein de seaux d'eau autour pour pas que l'appui sur lequel ils prennent feu, du rafour, ça serait catastrophique sinon, et après toutes les femmes qui seront utilisées, le comte de Savoie fournit des gants en cuir aux femmes, qui sont souvent les femmes qui enlèvent les pierres. Et après, il y a encore le transport, et comme on est rarement à côté du chantier, pour des questions de sécurité, pour des questions d'eau, eh bien ça coûte assez cher, le transport. C'est pour ça que 32%, c'est un prix normal. Moi, je suis monté jusqu'à 45%, mais il faut voir un petit peu ce qu'il en est à cause de la durée du temps de préparation d'un rafour qui peut prendre parfois 6, maximum 8 mois. Mais enfin, c'est énorme. Voilà. Maintenant, je fabrique de la chaux. Il faut savoir de la chaux aérienne. Hein. C'est toujours de la chaux aérienne qu'il fabrique.
C'est important. Quant à l'énorme quantité de florins qui sont donnés, ont-ils été donnés? Une partie, sans doute. Mais n'a-t-il pas eu un crédit à payer à ça? Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que qui est-ce qui paye? Il a peut-être, donc, je ne me rappelle plus la somme, mais 2000 florins. Mais lui donne-t-on 2000 florins, son nom est trébuchant? J'en doute, parce qu'on ne les a pas la plupart du temps. Mais au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on va payer les choses, on va payer ce qui est fait. Au fur et à mesure du rendu des comptes sur l'avancement des travaux, des tranches. Et il faudrait voir qui paye. Est-ce que c'est ce personnage, même si on a dans les comptes le fait qu'il ait justifié le paiement, est-ce que c'est lui qui paye vraiment ou est-ce que c'est le gardien? Moi, je vois ça. Hein. Je vois ça, c'est qu'il y a, c'est comme ça en Savoie, parfois, il y a une sorte de crédit. C'est vrai que si la somme n'est pas trop importante, il part de toute façon avec de l'argent, c'est certain, mais est-ce qu'on lui donne tout cet argent? J'en doute. Il y a après une sorte d'avancement. On ne va pas donner 2000 euros pour des 2000 florins pour des choses qui vont être refaites dans un an et demi. Sur la totalité du chantier. Là, sur la question du maniement des deniers, justement, ça, je connais bien la question. Autant sur les fours à chaud, je suis très très heureuse d'avoir appris tout ça parce que c'était vraiment une question sur laquelle je ne connaissais pas grand-chose. Et donc, c'est vraiment vraiment intéressant. Mais en revanche, sur le maniement des deniers, il est effectivement, on voit bien quand ce sont des mouvements d'argent fictifs avec des emprunts ou des choses qui sont avancées, etc. Mais là, il se déplace pour aller chercher les deniers. Il est rémunéré pour aller sur la Doire, pour aller en Queyras auprès des syndics. Il a quelques florins pour le voyage, pour aller chercher les deniers sonnant et les trébuchants. C'est ça qui est très étonnant. Justement, c'est atypique. C'est atypique par rapport à ce que fait habituellement un châtelain qui fonctionne avec un système de crédit, d'encaisse, etc. Là, il va chercher l'argent. Il va chercher le financement. Attention, c'est ce que je veux dire. Il va chercher de l'argent, on lui en donne, ça c'est sûr. Il a des sacs dans des coffres, voilà. Mais est-ce qu'il ne va pas chercher un financement? Est-ce qu'on lui donne toute cette énorme somme d'argent ou est-ce qu'on lui crédite et qu'on lui paiera au fur et à mesure après? C'est à voir, ça. Et ça, on peut le voir, peut-être, pas sûr. Hein. Mais qui paye? C'est vrai que 6 mois plus tard, il va faire des factures, enfin, il va demander dans les comptes qu'on paye cela avec la facture de l'attestation, la lettre d'attestation, enfin, ça dépend un petit peu comment il parle, c'est un petit peu différent entre le Dauphiné et la Savoie. Mais qui paye à ce moment-là? Qui verse l'argent? Est-ce que c'est ce châtelain qui dit qu'il l'a versé, ou est-ce qu'on demande qu'on le verse? Est-ce que parce que attention, si c'est marqué que c'est alloué, c'est qu'il n'a pas eu l'argent. Non, mais c'est pas un compte de Châtelny, il est vraiment différent. Hein. C'est pareil sur les comptes d'œuvres. Sur les comptes d'œuvres, c'est pareil. On alloue une somme, on reconnaît une somme. Ça ne veut pas dire qu'on l'a payée. Là, en l'occurrence, pas dire que ce châtelain ou le, parce qu'on a Jacques de Clermont, par exemple, hein, qui est maître des œuvres dans Bresse et en Bugey pendant jusqu'en 1339, jusqu'à sa mort, il reconnaît des paiements, mais c'est pas pour ça qu'il paye. Après, il envoie en quelque sorte une autorisation de crédit, quoi. Oui, ça c'est dans le fonctionnement normal, mais là on est dans un cadre atypique. On est vraiment dans un cadre atypique. Ouais. Ce type même de commission, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et là, la structure financière comptable est vraiment atypique. Je crois qu'il y a Franck Gabayet qui voulait poser une question. Oui, j'en ai assez dit, c'est vrai. Oui, moi j'avais une question par rapport au nombre de tous ces maîtres qui se pressent sur le chantier. Là, on dirait une armée de généraux mexicains. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer que le maître arrive avec une équipe hiérarchisée qui il est financé pour son équipe? Oui, je pense que c'est peut-être la réponse hein, pour expliquer qu'il y ait aussi peu d'ouvriers finalement. Ce qui est étonnant, c'est que par ailleurs, on a des gens qui sont indépendamment de simples ouvriers qu'on va rémunérer pour pas grand-chose. Mais c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. S'ils sont indépendants, qu'ils arrivent pour une tâche, ils peuvent être payés pour leur tâche. La question, c'est s'ils appartiennent au contraire à une équipe constituée, là, ils sont financés par leur maître. Quoi. Tout à fait, oui, je pense que vous avez raison, oui.
Oui, il y a tout un tas de manœuvres hein, qui viennent là d'ailleurs pour nettoyer le chantier et comme ils le disent, pour améliorer leur journée. Pour Melleramento, Yornataum, Suarum, qui font des petites bricoles. Alors ceux-là, ils sont payés à la journée, donc on les a dans les comptes. Mais tous ceux qui sont des manœuvres locaux et qui sont embauchés par le maître, on les a pas, du coup. On les a pas. Le maître raffournier ou le maître maçon ou le maître charpentier, il a une somme qu'il a négociée par adjudication, au mieux disant, comme on le dit encore d'ailleurs. Et après, ben, dans ce qu'il gagne, dans ce qu'il est prévu de gagner, eh bien, il a, lui, à embaucher ou pas des gens. Et j'ai un procès quand même qui dure 2 ans entre Pierre de Bourg et le comte de Savoie pour le château de Saint-Germain, de Pondin, où l'adjudication a été faite à prix fait, donc à la tâche. Est-ce que Pierre de Bourg a embauché pas mal de gens? Toujours est-il qu'il a fait très vite le chantier. Et à ce moment-là, le châtelain, qui est malhonnête intellectuellement, il refuse de payer à la tâche, puisque la tâche a été faite très vite. Il veut payer à la journée, évidemment, puisque l'autre, il l'a fait très vite. Et donc, ils ne sont pas d'accord, quoi. Parce que l'autre, il a pris un forfait, et après, il se débrouille. Il prend du monde, il ne prend pas de monde, il est payé à la tâche. Alors, la tâche, elle ne doit pas durer des années, bien entendu. Elle est quand même limitée dans le temps. Mais ce n'est pas pareil que payer à la journée. Et on a donc ce problème-là. Quand le châtelain négocie avec par adjudication, et en Savoie, bon, depuis Philippe Ier de Savoie, donc depuis 1372-68, mais c'est en 72 qu'il décide, que pendant un mois, sur les marchés quotidiens, dans tous les marchés du mandement, on doit obligatoirement faire l'appel. Quand bien même on a trouvé très rapidement quelqu'un qui prenait au prix à ras les pâquerettes, comme on dirait, eh bien, le châtelain est accusé de délit d'initié s'il ne fait pas, il ne continue pas, parce qu'on ne sait jamais, on peut trouver encore quelqu'un de moins cher. Donc il y a une véritable recherche économique au plus près de la chose. Donc on fait au forfait, et le maître d'œuvre, enfin le maître de l'artisan, pardon, le maître, quel qu'il soit, il paye après, plus ou moins, des manœuvres dont on n'a pas le nom, puisque c'est lui qui s'en est occupé. Mais en revanche, le châtelain a le choix pour des petits travaux qu'il juge plus facilement à faire à la journée et qui lui coûteront moins cher que de faire la tâche, et puis des travaux qui ne demandent pas des connaissances importantes, comme nettoyer un chantier, par exemple, ou sortir les pierres des maîtres pierriers qui creusent un fossé. Là, il négocie à la journée, quoi. Il négocie à la journée.